Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, vous aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde islamique, sur le monde de la culture concernant l'islam, concernant les différentes dimensions de ce message divin. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'explication en ce qui concerne le jeûne au cours du mois de Ramadan. Bien sûr, c'est l'un des axes, c'est l'un des piliers de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, observer le jeûne au cours de ce mois béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Quel est le sens réel du jeûne? Quelles sont quand même les différentes dimensions de ce sens quand on parle du point de vue spirituel, lexical, ou quand même quand on parle de la moralité, des éthiques qu'on doit observer et pratiquer à ce mois béni de Ramadan durant le jeûne. Donc c'est tout à fait un sujet très intéressant pour chaque musulman et c'est un rappel pour tout le monde parce que, si je peux dire, le mois de Ramadan, c'est une formation très importante, une formation annuelle de la part d'Allah, qu'il soit glorifié, à l'encontre de chaque musulman. Donc, nous allons commencer tout de suite cette édition par le salut de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Et bon Ramadan quand même. Merci, bon Ramadan à vous et à tous les musulmans de les quatre coins du monde. Merci beaucoup pour nous rejoindre au studio de Nantes International. Permettez-moi de vous poser cette question. Concernant le sens du jeûne au cours du mois du Ramadan, de votre point de vue. Premièrement, du point de vue lexical, comme vous venez de le dire, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels au cours du mois de Ramadan, à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce sens, en fait, est ce qu'on appelle le sens juridique et le sens lexical aussi, parce que Soma en arabe c'est amsaka, c'est-à-dire s'abstenir. Observer le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on peut appeler juridiquement parlant et ce qu'on peut appeler légitimement parlant, c'est-à-dire d'une façon purement religieuse. Parce que parfois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui s'abstient de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels avec sa conjointe et sa partenaire. Mais en même temps, son jeûne qui est juridiquement accepté, c'est-à-dire du point de vue du fiqh, du droit musulman, c'est-à-dire qu'il remplit les conditions formelles de sa validité, quand même, il n'est pas agréé auprès d'Allah. Mmh. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est la grande question. Oui. Pourquoi? Donc, oui. Donc, c'est le fait de s'abstenir à toute chose qui, quand même, oui, à tout qui ce était, qui pourrait rompre le jeûne. Quand même, qui était légitime dans les autres mois de l'année. Et en même temps, ceux qui jeûnent le mois du Ramadan doivent renoncer à toutes les autres pratiques qui enveniment. Le sens spirituel de ce jeûne pour arriver à l'agrément d'Allah, et oui. À la satisfaction oui. divine, à la satisfaction d'Allah qui soit glorifié. Oui, oui. Oui. Donc avant tout, moi je cite le propos de son éminence, l'imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, qui a subdivisé le jeûne en trois formes, mais en trois types. Il y a ce qu'on appelle le jeûne des masses, c'est-à-dire de commandes mortels, des gens qui, en fait, qui sont des simples personnes et qui ne sont pas très bien avisés en science ou bien en rapport avec Allah, gloire à lui. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle le jeûne des gens spéciaux, d'accord ? Et troisièmement, il y a le jeûne de spécifique des spécieux. Iman al-Awam, Siyam al-Awam, Siyam al-Khawas, Siyam Khawas al-Khawas.
Donc, les jeunes, pour les masses populaires, qui ne sont pas bien, en fait, conscientes de qu'est-ce que ça veut dire la philosophie, le sens de jeunes, c'est le fait de s'abstenir tout simplement de tout ce qui pourrait, en fait, rompre du point de vue juridique le jeune. C'est-à-dire, il s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports charnels, etc. C'est-à-dire, les choses interdites à faire pendant le mois de Ramadan d'une façon formelle. Mais en fait, pour les jeunes des spéciaux, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas comme les autres, mais qui ont en fait une connaissance providentielle, si vous voulez, c'est-à-dire une sorte de rapport avec leur Seigneur d'une façon Sorte d'ascension dans la foi. Oui, normalement. Donc c'est Il y a des degrés. Normalement, il y a, Vous voulez parler qu'il y a trois degrés. Trois degrés. Oui, le deuxième degré, c'est le fait de renoncer à tout ce qui pourrait nuire aux jeunes. C'est-à-dire la médisance, la calomnie, par exemple, les paroles insensées, les paroles, par exemple, indécentes, c'est-à-dire de parler, excusez-moi, de turpitude, d'un des rapports peut-être charnels entre ce qui se passe entre l'homme et sa partenaire, etc. Donc, tout ça, en fait, il pourrait inviolé le jeune de mois de Ramadan et nuire à la rétribution. Donc, c'est le deuxième degré. Le troisième degré, c'est de s'abstenir de tout ce qui pourrait vous dérailler du chemin d'Allah. Du chemin de C'est-à-dire Allah. C'est-à-dire d'être dévoué. D'être dévoué. D'être dévoué, d'avoir la dévotion, en fait, dans votre relation avec votre Seigneur. C'est-à-dire, par exemple, que toute votre vie quotidienne au cours du mois de Ramadan, c'est-à-dire diurne ou bien nocturne, c'est consacré entièrement à Allah. Même avant, par exemple, de vous coucher, donc vous invoquez le sublime don d'Allah, vous récitez le Coran, donc vous faites des prières, donc vous êtes toujours appliqué à une œuvre épique qui pourrait en fait vous rapprocher de votre Seigneur. Oui, De presque couper totalement avec tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est inutile. Donc c'est une sorte d'ascension spirituelle. Oui. Et une sorte d'arriver à une paix, que ce soit à l'intérieur la paix ou intérieure, à l'extérieur. Oui, et de se sentir en fait proche de votre Seigneur. Donc c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose de concret, il ne faut pas être étonné, parce que dans le hadith, le prophète il a dit « Zaqa halawat al-iman ». C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont caractérisées, ou bien caractérisées par trois choses, qui auront en fait la douceur de la foi. C'est-à-dire savourer, goûter. Oui, ils vont savourer la foi. Oui, c'est-à-dire, il sera en fait, même s'il s'agit d'une métaphore ici, mais vraiment, il y a des gens en fait qui arrivent à un moment donné en fait à se sentir comme ils s'envolent en fait dans l'air comme ça, et qu'ils en fait s'écartent de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est par exemple. Nous prions tous Allah qu'il soit glorifié de nous. Accorder ce sens de comment savourer et de comment goûter la foi sucrée ou le goût sucré de la foi, de la croyance en Allah, qu'il soit glorifié. Donc j'aimerais présenter à nos chers téléspectateurs un tout petit reportage sur un autre sujet qu'on a aujourd'hui. Après ça, on va bien sûr continuer notre parole, notre discussion avec notre cher invité. Le Ramadan, mois béni du calendrier égyrien, est une période intensément attendue par les musulmans du monde entier. C'est durant ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Marquant ainsi un moment clé dans l'histoire de l'islam, le jeûne, l'un des cinq piliers de l'islam, est pratiqué avec une grande piété et dévotion, offrant une occasion unique de repentir, d'adoration et d'accomplissement de bonnes actions. C'est une période propice à la purification de l'âme et du cœur. Alors que le Ramadan approche rapidement, il devient essentiel de se préparer spirituellement et physiquement pour tirer le meilleur parti de cette période de réflexion profonde
et de renouveau spirituel. Voici un guide en sept étapes clés pour vous aider à vous préparer efficacement à ce mois de jeûne. Se préparer pour le Ramadan grâce à l'intention. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au Ramadan, ni pour travailler son état d'esprit. Prendre la sincère intention de jeûner le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son Créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer sa spiritualité. On fait le choix de prendre le chemin de l'obéissance à Allah en accomplissant l'un des cinq piliers fondamentaux de l'islam. Oui, chers téléspectateurs, vous êtes toujours la bienvenue dans cette cercle d'invocation d'Allah qui est représenté en tant que les jardins des paradis, comme notre grand prophète Mohammed, qu'Allah accordé toutes ses miséricordes. Les cercles d'invocation sont les jardins des paradis. Donc, dans ce cercle d'invocation, et avec ce mois béni de Ramadan, nous devons vous présenter une sorte de hadith, parole prophétique très importante concernant ce mois, concernant l'importance de ce mois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le grand prophète Muhammad, qu'Allah accorde sa miséricorde et ses prières sur lui, son salut plutôt sur lui, a rassemblé les compagnons et il leur a dit il y a un mois qui entre actuellement et ce mois c'est un mois béni. Les 10 premiers jours sont une miséricorde, les dix autres jours sont un pardon. Et en fait, la troisième partie, les 10 derniers jours, ce sont une sorte d'affranchissement de l'enfer. Oui. Nous voulons avoir plus d'explications en ce qui concerne ce hadith. Vraiment, quand on voit le Ramadan, il y a énormément d'informations traditionnelles prophétiques, c'est-à-dire entre guillemets hadiths, qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Il a dit, il a réuni, il a rassemblé, comme vous venez de le dire, le compagnon à la fin du mois de Sha'ban. Et il a dit, لَقَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ كَرِيمٌ, donc un mois tout à fait noble vous a ombré, c'est-à-dire est venu ombrer, c'est-à-dire donc dans un sens tout à fait positif, ombrer, c'est-à-dire il va dissimuler, en fait, vous défaut, hein. Donc ce sera pour vous une sorte de couverture, une sorte aussi de cuirasse contre l'enfer, contre les péchés, contre tout. Donc, أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ كَرِيمٌ, c'est-à-dire la subsistance de croyance est en multiple. Donc c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui. Bonne prédication pour les croyants. Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Il y aura une issue normalement. Donc, parce que Allah nous a dit, c'est-à-dire après la difficulté, il y a toujours la facilité. Donc on espère toujours la miséricorde d'Allah. Et quand même, quand il y a une seule difficulté, selon les paroles divines, il y aura deux facilités. Oui, donc, et bien sûr, les deux facilités seront invincibles, en fait, devant une seule difficulté. Oui, donc, seront victorieuses. Oui. Normalement, Inch'Allah, on va dépasser, en fait, de tels moments difficiles, en fait, qui règnent sur l'Égypte. On connaît très bien le problème de provision. Et c'est quand même l'une des dimensions les plus importantes en islam, c'est... Toujours l'islam parle de bonnes prémices, parle de bonnes nouvelles, de bien, de bonnes nouvelles, parle de l'optimisme. On est invité toujours à regarder l'optimisme parce que, par exemple, donnons l'exemple qu'on a déjà cité, lorsque le compagnon de prophète il était coincé dans le fossé, en fait, de peur que le Qurayshite leur...
ne leur envahissent. Le prophète, dans la bataille de l'Ahzab, oui. Donc le prophète, lorsqu'il frappait en fait le rocher, il disait ah oui, en fait les villes de la Perse seront ouvertes, vous seront ouvertes de la Rome, vous seront ouvertes. Donc Omar al-Khattab, il disait donc en pleine difficulté, le prophète nous a porté en fait de telles bonnes nouvelles. Donc même l'un de nous n'arrive pas à aller tranquillement en fait. Faire des toilettes. Malgré quelles qu'en soient les difficultés, on garde toujours l'espoir. Parce que l'espoir, c'est en qui, hein? C'est en Allah, ce n'est pas en n'importe quel autre élément. Qui va nous sauver dans toutes les situations. C'est ça l'une des dimensions les plus importantes. C'est comment toujours s'accrocher. Oui, à condition que nous en soyons en fait méritoires. Il faut mériter avant, il faut chercher à être apte en fait à recevoir la miséricorde d'Allah. Puis on s'interroge sur cette miséricorde, parce que cette miséricorde en fait, il a un cœur tout à fait bien rassuré, croyant, sur lequel il prie de centre. Normalement, il ne va pas en fait descendre sur un cœur endurci, c'est-à-dire qui n'est pas du tout affectueux vis-à-vis des autres, qui n'aide pas les chétifs, les besogneux, les indigents, qui est par exemple quelqu'un qui est égoïste en fait, qui ne cherche que ses propres intérêts. Donc, il ne sera pas du tout méritoire de la miséricorde d'Allah. Donc, c'est pourquoi la solidarité au cours du mois de Ramadan aussi, c'est un bon indice. Donc, la solidarité, c'est quelque chose en fait qui satisfait à Allah et par conséquent qui pourrait encourir la miséricorde. Ouais, la miséricorde, donc, ça se trouve dans les 10 premiers jours du mois du Ramadan. Oui, ça fait partie du hadith, c'est-à-dire les 10 premiers jours, les 10 premiers jours de la miséricorde. De la miséricorde, c'est-à-dire que c'est la miséricorde qui sera tout à fait saillante. Je vous dis pourquoi. Il y a une sorte de concordance entre la miséricorde divine et la miséricorde humaine. Vous allez, par exemple, vous, moi et les autres, en fait, vous allez chercher à aider les autres, à inviter les autres, par exemple, à observer les liens de parenté, même, par exemple, d'inviter votre sœur, votre frère et sa petite famille, je ne sais pas quoi. Donc, même de leur rendre visite, même si on n'est pas en mesure de les inviter, en fait, à prendre l'iftar avec nous, au moins, il y aura des visites normalement familiales et aussi des visites de voisins et tout. Donc, partant de cette miséricorde terrestre, humaine, il y aura normalement la miséricorde divine. Donc, au cours des premiers jours du mois de Ramadan. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire le dixième jour. Le pardon. Oui, c'est le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que vous avez déjà, en fait, passé. Le deuxième tiers du mois de Ramadan. Le deuxième tiers, oui. Vous avez déjà passé, en fait, un tiers de mois. En persévérance, en patience, en obstinance, tout ce qui pourrait en fait désagréer à Allah ou bien déplaire à Allah. Donc, vous allez trouver normalement absolu, normalement absous, en fait, normalement pardonné tous vos péchés. Donc, c'est normal, hein, parce que Allah, gloire à lui, nous a informé dans un hadith divin, ce qu'on appelle hadith en Qudsi, c'est-à-dire, et c'est la parole d'Allah rapportée par son messager, salim et d'action sur lui, il a dit toute œuvre menée par un adamique, c'est-à-dire un être humain, aura sa rétribution multipliée en 10. Exception est faite pour le jeune, dont la rétribution n'appartient qu'à moi-même. Allah. Donc, admettons par exemple que les 10 fois de rétribution, c'est la manifestation de la miséricorde divine. Donc, si on va directement à la source même de la miséricorde, à la source même du pardon, à la source même, par exemple, de la donation, si généreuse et généreuse sans borne, donc imaginez-vous qui pourrait être la rétribution. Ça ne sera pas moins que le pardon. D'accord? Donc, pour le dernier tiers du mois de Ramadan, c'est-à-dire les 10 derniers jours, donc, être comme un nar, c'est-à-dire affranchissement de l'enfer. Donc, on sera affranchi de l'enfer, toujours par la grâce d'Allah. Parce que le prophète il a dit un jour, personne parmi vous ne rentrera au paradis avec ou bien grâce à ses propres œuvres. Allah. Et on a posé la question, même toi, au prophète, il a dit, même moi, hein,
à moins que Allah ne m'accorde ou bien m'inonde en fait de sa miséricorde. Il y a une ramadani, c'est-à-dire inondé. Donc pour le prophète, ce n'est pas ce n'est pas un simple accordé de miséricorde, mais inondé en fait Allah. De la miséricorde, parce qu'il est prophète en fait. Donc il sera envahi par la miséricorde divine. Donc c'est pas grâce à Allah qu'on sera affranchi de l'enfer. Nous prions Allah qu'il soit glorifié de nous inonder de ses pardons, de ses miséricordes et de ses affranchissements de l'enfer. Amin pour nous tous, en fait. Oui, tous oui. Et toutes, dans les quatre coins du monde. Oui. Donc, le reste est le hadith. « Fihi yuzadu rizq al-mu'min, al-hasanatu fihi ba'ashir amsalha » c'est-à-dire la bonne action faite au cours de son mois-ci aura 10 fois rétribué, d'accord. من فطر فيه صائما كان له أجر مثل أجره لا ينقص من أجرهم شيء. Quiconque offre le repas de rupture de jeûne du mois de Ramadan à n'importe quel indigent, d'accord, mais il n'a pas dit indigent quand même, il a dit aux éléments. C'est pourquoi ? C'est pour élargir en fait la sphère de cet acte tout à fait béni, c'est-à-dire d'offrir la nourriture. Parce que, par exemple, pour les proches parents et proches parentes, par exemple, vous avez un proche parent ou une proche parente qui n'est pas dans le besoin, du point de vue matériel, mais du point de vue spirituel, elle a besoin. Elle a besoin de cette affection, de cette sympathie, en fait, de cette observation de lien de parenté. Si vous l'invitez, par exemple, avec sa petite famille, donc ça sera aussi une grande rétribution. Donc, vous auriez la même rétribution du jeûneur, alors que le jeûneur, en fait, n'avoir rien perdre de sa portion de rétribution. C'est-à-dire une rétribution équivalente, mais ce n'est pas une rétribution alternative. Donc, parce que, en fait, quand on était petit, il y avait des gens en fait, qui refusaient de prendre l'iftar avec deux autres, le repas de rupture de jeûne du mois de Ramadan, de peur que leur rétribution s'évade, c'est-à-dire soit dissipée. Ils disaient, en fait, donc, il va prendre la rétribution de mon jeûne. Oui. Mais non, que ce n'est pas en fait le cas. La vérité, c'est quoi en fait? C'est le fait que vous auriez la même rétribution, alors que l'autre qui était jeûneur ne va rien perdre. Donc il aura tellement en fait la même rétribution. Oui. Donc, on va prendre une toute petite pause, chers téléspectateurs, au cours duquel on va vous inviter à visiter une mosquée monumentale ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din Allah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, après cette visite de cette mosquée monumentale qu'on a ici en Égypte, il y a toujours une vertu de bien sûr dans les autres mois, de prier au sein d'une mosquée. Mais au cours du mois de Ramadan, c'est très important. Pourquoi ? C'est ce qu'on va savoir. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'en fait, n'importe quel acte cultuel aura la rétribution si au moins, c'est-à-dire multiplié par 10 au moins. Faire au plus, prière, au moins ou au plus au moins. Au moins. Au moins, au moins multiplié fois. Par 10. Oui, par 10. Oui, mais ça pourrait, peut-être multiplié, pas elle beaucoup. Pourrait arriver en et ça, selon l'intention. À 700. Oui, parce que
إلى إلى سبع إلى عشر إلى عشر حسنات إلى عشر أضعاف إلى أضعاف كثيرة. الله. دون حديث إلى أضعاف كثيرة، c'est-à-dire à plusieurs plusieurs en fait multiplication. Et Allah qu'il soit glorifié, tout à fait généreux quand oui, même oui, au cours de ce mois de Ramadan. Oui, normalement. Donc faire la prière à la mosquée en fait. La rétribution de faire la prière à la salat à la mosquée dépasse largement de faire la salat d'une façon individuelle. 27 degrés, c'est-à-dire 27 fois de rétribution dans le jour ordinaire. Ordinaire, mais... Alors que pour le mois de Ramadan, donc vous pouvez en fait multiplier par 10. Hein. Par 10 Oui, c'est-à-dire... Oui. Donc chaque raka, ça peut être multiplié par 10 Non. Oh. Chaque raka dans le jour ordinaire est multiplié par 27. Par 27 Donc 27 multiplié par 10. Oui, si on va, si on va prier dans la mosquée. Oui, 270. 270 Oui. Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Donc c'est une occasion. En plus, oui, une très bonne occasion. En plus, il est fort probable d'aller à la mosquée pendant le mois de Ramadan, et vous avez le temps libre, après avoir, par exemple, terminé votre travail, et peut-être vous n'avez pas envie de dormir. Donc... Et il est fort probable de tomber sur une science de ilm, par exemple, de science. Un cercle d'invocation d'Allah. Oui, oui, peut-être invocation, peut-être par exemple. La récitation du Coran. Ah oui, causerie, par exemple, de sciences islamiques, de hadith, de tafsir, je ne sais pas quoi. Donc, et aussi, en fait, assister à une science scientifique à la mosquée, il a une grande, énorme rétribution qui pourrait dépasser celle de faire la prière. Donc, en plus, donc, il est fort probable. Par exemple, c'est une très bonne occasion d'essayer d'améliorer en fait votre récitation coranique pour celui qui n'est pas habitué à bien réciter le Coran. Donc, pour clôturer, en ce qui concerne les rétributions et les hasanettes, oui. Concernant la prière, donc si je vais, je parle du mois de Ramadan, oui. Si je vais à la mosquée, j'y prie. Oui. Donc il y aura une sorte de je vais prier dans une salat collective. Oui. Ça va? Oui, oui. Ça va donner combien de hasanet, combien de rétributions? D'habitude, au-delà du mois de Ramadan, c'est 27 fois la rétribution de faire la salat d'une façon individuelle. Allah. Pendant le mois de Ramadan, il faut multiplier par 10. D'accord? Parce que, conformément à Hadith, quiconque y fait un acte cultuel, donc, et c'est comme quelqu'un qui a fait cet acte cultuel 10 fois au-delà du mois de Ramadan. Et ça... C'est-à-dire chaque prière est comptée 10. Ouais, et ça, ce n'est pas seulement pour la prière. Mais quand même pour le mon, ou pour la zakat, ou pour les sadaqat. Vous avez aussi une très bonne occasion pour le mois de Ramadan. Ah ouais. Donc la rétribution de la salat surrogatoire, nawafil, est la même de la rétribution de salat obligatoire au-delà du mois de Ramadan. D'accord. Donc d'où par exemple ce qu'on appelle la prière surrogatoire nocturne du mois de Ramadan, al-tarawih. Oui. Oui, qui exige aussi en fait... un peu plus de détails, donc je ne sais pas si le temps nous embête ou pas encore. Donc pour le Tarawih, en fait... On va parler de ça dans d'autres dans un autre épisode. Oui. Mais justement, je dois vous remercier infiniment pour de telles informations, de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, merci également à vous et bon Ramadan à toutes et à tous. C'est une occasion spirituelle à ne pas rater. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.